Un monde normal et un monde créatif. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais dit dans mes plugins? Donc j'utilise assez peu de plugins parce que plus on utilise, plus ça peut merder. Il y a Clayball, c'est ça? Crayboy, ouais, c'est ça. Bon, d'accord, bah Bah parfait. y a alors. Oui, donc LWC aussi. Ça, c'est un plugin qui se fait automatiquement. Ça sécurise vos coffres, vos portes, et vos panneaux. Voilà, Sauf sauf pour la pour l'admin, ligne. évidemment. Moi, j'ai tous les droits. Je suis Dieu. Et puis, je vous emmerde. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà, donc ça, ce sont les différents plugins que j'utilise. Ah, attends, je vais tester. Je vais voir un peu si ça Ah ouais, redonne les c'est vrai, graines parce que encore, cette apparemment plante. depuis la version 1.7, donc lorsqu'on inonde les champs de blé, on récupère quand même les graines. On Allez, les récupère les graines! graines, Oh là ok, là, va donc c'est falloir qu'on parfait. Par fasse contre, ça. il faut quand même replanter. Ouais, et puis Ouais, ça, ben. c'est chiant. Merde, j'ai plus de T'as place! plus de place dans ton inventaire? Tant Bah, pis. utilise ton chest. Non. Bon, ouais, laisse tomber, c'est moi qui ai tout récupéré. Ça va, t'es tout en train de ramasser là, je parie, non? Si tu veux, je t'envoie tout. Je t'envoie tout dans ton coffre. J'ai presque fini mon distributeur là de canne à sucre. Ok. Bah, il est pas mieux que le mien, je suppose. Bon, moi j'aime bien. Tu sais, c'est en fait, t'as un courant d'eau sur le côté, tu l'arrêtes. Les cannes à sucre deviennent fragiles et quand tu fais couler un autre courant d'eau, bah blam. Ouais. Sinon l'autre système en fait. Ouais, Bon mais au après, moins là mon système à moi, t'as pas besoin de replanter la canne à sucre. Alors Y a pas qu'avec de besoin de l'eau, replanter. tu la bousilles quoi, la canne à sucre entièrement, t'es obligé de replanter. Mais non, mais en fait le truc c'est que je m'ennuyais donc je voulais faire un truc assez compliqué. Bon, ok, donc voilà, donc pour les plugins, donc là excusez-moi, Après, je donc me ça suis repart dit. en roleplay, hein, donc je vais. De toute façon, je vais bientôt repartir sur ma partie solo. Je vais aller récupérer tout l'or pour commencer donc des rails en or. Et puis donc, et ben, oups. Et donc, et ben, je vais voir ce que je peux faire. Ok. Bon donc, Guigui, merci de ta J'aime bien votre idée. participation. Et puis ben, ok, J'espère que je serai utile. tiens. Donc pareil, hein, vous pouvez payer un joueur comme ça en tapant slash pay Guigui, enfin Guigui, hein, donc le joueur que vous voulez, et la 100 somme que 000. vous envoyez. Par exemple, là, j'envoie 1000 euros à Guigui. Allez, hop. Voilà, donc je sais pas pourquoi il marque a Youpi! été réinitialisé, mais en fait, ça a été envoyé. Hein. C'est bien ça, Guigui, hein, t'as 1000 euros supplémentaires sur ton crédit. Ouais, il me restait que Donc t'as 103 là, 103. donc ça fait du bien. Ouais. Bon allez, je retourne à mon machin. J'aime bien mon Ouais, tunnel, là franchement, il pète. t'as un petit peu un bug Pourquoi il est pas là. parti? Voilà, Tiens, bien parti. repart. Voilà, Allez, c'est bon. merci Guigui, au revoir. Et puis bon bah tout le monde, et ben on se rejoint sur la partie solo. Allez, au revoir. Au revoir. Nous revoici donc dans la merde. Donc je fais ma petite intro. Mais je vous montre pas un minage, hein, évidemment. Je vais juste refaire une pioche en fer, histoire d'aller me chercher donc l'or que j'ai dont j'ai besoin. Et ok, donc en plus il tonne d'or. Donc je fais bien d'être à l'intérieur. Tout, 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 tout. Allez, hop, on va stocker un petit peu quand même parce que là j'ai pas mal de choses. Le verre, je vais le cramer. Bon. Je vois ce que j'ai besoin et pas besoin. Hein. Voilà. Allez. Hop. On va faire du verre. Et donc, je vais aller miner l'or sans vous. Parce que je suppose que je vais encore vous énerver. Donc, je coupe la vidéo. Je vais aller récupérer l'or. Et je reviendrai ici pour le faire fondre.
Donc me revoici, donc j'ai trouvé un total de 30 or, de 30 filons d'or. Donc voilà, donc j'ai déjà réparti en un stack de 24 et puis les 6 que je ne pourrais pas cuire étant donné que je fais tout le temps qu'en multiple de 8. Voilà. J'ai déjà 8. Je pense crafter déjà. Donc j'ai trouvé aussi pas mal de redstone. J'ai trouvé donc un stack et demi de redstone. Et il m'en reste encore là-haut. Parce que j'ai commencé à creuser donc le second étage de ma mine. Donc entre la couche 8 et 12, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc, et puis je me fais ma montre. Donc voilà, donc j'ai trouvé de la redstone là-haut. Un peu plus haut. Là ici. Voilà. Donc j'ai encore de la redstone à volonté. Enfin j'ai encore ouais, facilement remplir mon stack. Ok, donc voilà, donc mon verre a fini de chauffer, donc je le récupère. Et puis donc j'ai utilisé deux pioches, hein, deux pierres. Et ma pioche en iron a commencé à morfler. Je vois pareil que mon set d'armure a morflé, donc il va falloir que je anticipe d'en refaire un. Et comme d'habitude, l'iron me manque. Je manque encore beaucoup d'iron. Donc j'espère que je parle assez fort. Non, ah oui, j'ai récupéré aussi beaucoup de charbon. Je suis tombé sur un filon assez impressionnant de charbon. Donc je vais essayer de compléter le stack. Voilà, parfait. Voilà, donc là-haut, donc il me faudrait aussi que je prévoie un petit peu de charbon, c'est pour comment dire? Oh zut, mon spawn. Donc je compte faire un système donc de rails entre mes différents. Ouais, et puis bien sûr, donc il me faut de l'iron. Continue à pleuvoir. Vous voyez, donc le jour se lève. Je vais voir ça à mon Mon compas, où est-ce que je... Mon compas, où est-ce que je l'ai mis? Je ne retrouve pas le diamant que j'avais réussi à retrouver. Je ne sais plus du tout où il est. Je voulais aussi vous montrer autre chose. Avec la craie. On... Même pas, j'ai pas besoin de ça. Donc avec la craie, on peut faire évidemment donc des briques, comme je vous l'ai montré, mais on peut également faire ceci. On peut reconstituer un bloc de craie, qui est donc qui peut être très très beau pour faire pour le sol en fait. Vous voyez, hein, il peut pas passer à cause de la soul sand. Moi non plus. Voilà, donc j'ai coupé le son pour que la pluie ne nous dérange pas, parce que j'ai repéré dans les vidéos précédentes que la pluie était un vrai calvaire. Le problème, c'est que s'il y a un mobs, je ne l'entends plus. Ah oui, c'est le charbon de pomme.
Donc je complète mes fours. Parce que j'ai encore invoqué. Qui est encore en plus en bonne durée de vie. J'ai pas de besoin. Allez, je te prends. Arrête toi, je te dis. Pas dans la flotte surtout. Oh, la pluie arrête le feu. Bien sûr. Donc ça, ça fait partie d'une mise à jour que j'ignorais. La pluie arrête le feu. Donc vous êtes au courant à présent. Bon, bah écoutez, j'attends que mon... Donc en fait, j'ai remis la vidéo, mais en fait, je ne fais rien d'intéressant. Encore moins intéressant que le minage. Donc de quoi je peux vous parler? Pas grand chose. J'attends que... Donc que mon or finisse de chauffer, d'ailleurs ce qu'il doit être fait, voilà. Bon. Je peux commencer déjà mes rails en or. Donc les rails en booster. Hein. En même temps, ça me permettra de faire un petit tuto dessus, étant donné que j'ai fait un tuto redstone, un tuto piston. Je vais faire un tuto entièrement minecraftien. De toute façon, il va partir par là, hein. Il va partir par le point de spawn. Et je sais plus du tout, le compas, je l'avais perdu dans le nether ou pas? Je me souviens plus. C'est possible. Alors, comment je vais faire ça? Je pense que je vais commencer ici. Ok. Donc pour ceux qui savent pas faire des rails en or, c'est comme ceci. Enfin, j'ai déjà plus d'unité. Et au milieu, c'est un bâton. Voilà. Donc ce qui fait 6. Donc Powerhead High. Donc il en faut 4 pour atteindre la vitesse maximum au démarrage. Plus, c'est strictement inutile. Raté. Si j'ai un mob qui arrive, je ne peux pas l'entendre, étant donné que j'ai coupé le son. Donc là, bas un cochon. Donc, on y va qu'à la vue, hein, parce que... Donc, il est midi, à ma montre. Et bien sûr, je n'ai pas ce qu'il nous faut. Hop. Bon, on va continuer comme ça. Hop. Les rails. Donc, un patron vous permet de faire 16 rails. Donc, je commence. Mon chemin travaillé. Donc d'ici jusqu'à mon point de spawn. Et de toute façon, ça tombe bien parce que tous les 16, je remets 4 rails. Donc j'ai comme 4 rail booster, je veux dire. Donc voilà. Donc ici il en manquera. Et je mettrai une red torche pour alimenter cette fameuse ce fameux rail booster. Voilà voilà. Donc je redescends en bas, c'est pour aller chercher. Ou alors je peux en faire chauffer là.